Buongiorno. Et au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, comme une semaine sur deux, la nouvelle rubrique que vous avez adorée, la news ou statistique inutile qui vous permettra de briller en société. Oui, toi, jeune margoulin au fond de ton canapé. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à la deuxième partie et sa question polémique. Est-ce que le cinéma est en train de mourir ce soir? Et pour finir, la surprise du chef, une invitée incroyable, une invitée internationale. Que nous vous avons teasé lors de la dernière émission. Et pour m'accompagner dans cette super émission, une super équipe. Je commencerai, comme d'habitude, par ma droite. Rajda, bonsoir. Masa al khair, Sami. Une nouvelle langue. Masa al khair, les jamais. Kayf al hal? Langue arabe, taban. D'accord. Bah oui, il faut l'être de fond en comble, n'est-ce pas? Bah écoute, une nouvelle langue à chaque émission. Je me demande qu'est-ce que ce sera la prochaine fois. C'est ça le défi. T'es en forme? Ça va, et toi? Apparemment, la question, elle te chauffe, toi. Oui, ouais, bien sûr, parce que j'y connais pas grand-chose. Donc, pourquoi pas? De l'autre côté de la table, Hani est à nouveau avec nous. Hani, salut. Salut mon ami, comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, et toi? Comment ça se passe? Ça va. T'es chaud? Comme toujours, tu me connais. Nous revenons de l'autre côté de la table avec le philosophe de comptoir, qui est un petit peu le poète du soir. Dey, bonjour. Le poète torturé. Comment ça va, Sami? Tu es torturé? Ah, écoute, bah, oui. Écoute, il faut bien le pack entre le philosophe de comptoir et le poète torturé. Il fallait faire quelque chose. Et nous terminerons avec la toute classe de l'émission, Nordine. Ça va? It is good to be back. Ah, je confirme, il est classe. Tu es Hani approved. Partez mon gars. Allez, nous allons commencer sans plus tarder avec la news ou statistique inutile. Je vous rappelle le concept. Une news, une statistique inutile, qui vous permettront de briller lors de soirées, cocktails ou de soirées entre amis. Tu crois que c'est le mot, briller? Eh bien, écoute, chacun sa notion de la brillance. On fait comme on veut, ok? On fait comme on peut, surtout. Donc, c'est une news qui vous permettra de briller en société, une sorte de lanceur de conversation qui te permettra à toi, jeune margoulin, en fond de ton canapé, de pouvoir te la jouer devant tes frérots. Allez, on commence sans plus tarder. L'équipe, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Curieux. Alors, surtout. Il y a deux semaines, nous avons commencé notre série sur les lois fédérales complètement absurdes. Et nous allons continuer sur cette lancée. Alors, vous êtes prêts pour la nouvelle question? Oui. Selon la loi en Californie, qu'est-il proscrit de faire si nous n'avons pas de permis de chasse? Bon, je sais. Vas-y. De ne pas chasser. Acheter une arme? D'accord, ok. Quelqu'un d'autre moins évident? Je sais pas, acheter une arme. N'importe quoi. Encore moins évident. Nordin, essaie de relever le débat. Acheter une arme? Je vais tenter quelque chose de difficile. C'est interdit de tirer sur des gens? D'accord, bon, écoutez, chers téléspectateurs, je vais vous donner directement la réponse. Alors, en Californie, il est interdit d'installer des pièges à souris si on n'a pas un permis de chasse. Non. Oui. Oui, 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 un piège à souris, ouais. Piège à souris comme Tom et Jerry. Okay, oui, oui. Comme on le faisait il y a 20 ans, je pense. Mickey Mouse. Bah oui. Ah ouais. Bah écoute, c'est aux États-Unis. C'est souvent nous qui subissons le sort de la souris, malheureusement. Elle arrivait toujours à s'échapper. Tu manges souvent le fromage, toi, à la place de la souris. J'adore les fromages. C'est un animal, c'est normal. D'accord. C'est un rongeur, oui, un animal. Oui, oui. Pourquoi tu fais ça? Je vais pas faire mon intelligent à la télé. J'ai envie de manger du fromage maintenant. Bon. Bon, écoutez, on va essayer d'être un peu plus réactif sur la suivante. Allez, la okay. Allez, on est chaud. Allez, ouais. On est parti. Qu'est-ce qui est 10 fois plus dangereux qu'un requin? 10 requins. Blanc. Dix requins. 10 fois plus dangereux qu'un requin. Oui. Vas-y. Je suis très doué en maths. Attendez, parlez pas tous en même temps. Attendez, Annie, on t'a pas entendu. L'homme, tout simplement. D'accord. Chasse le requin.
c'est philosophique. C'est une philosophie de comptoir. Ouais, mais je pense. Niveau. Non, mais attends, t'essayes d'être profond et là on n'est pas profond. L'électricité. Ouais, bah, applaudis tout seul. L'électricité. Non, non, tout le monde m'applaudit. Vous l'avez juste pas entendu. L'électricité. Nordin. Je sais pas, électricité, requin. Ok, Bey. Je fais pas. Essaye de faire mieux que les 10 requins. Un très gros requin. Un orque. Deux orques. Bien sûr. Non, trois, jamais 203. On est d'accord que ma réponse est la meilleure. Non. Si. Écoutez, ben, figurez-vous que c'est la noix de coco. Qui quoi dix... Oui, la noix de coco elle est... Elle tue 10 fois plus de personnes. Oui, donc c'est, 50, c'est 150 morts par an. Mais comment voilà. Comment Patrick. Coco Patrick. Ça tombe sur les gens, lui, en fait. Au moins, il a peur des bonnes choses. C'est coco sur la coco. Comment en fait, la gravité. Il y a environ par an. Alors d'après, attention, le très sérieux International Shark Attack File. Bien prononcé. Oui, oui. Oui, ça existe, Bey. Oui, l'International Shark File ça Attack existe. Ok, oui. C'est un fichier qui recense toutes les attaques de requins. Bien évidemment, c'est américain parce que c'est absurde. Et ça a été lancé juste après les Dents de la Mer, j'imagine. Ah, bah intéressant. Je pense qu'on va chercher parce que j'ai pas fait assez de recherches sur ça. Très intéressant. Voilà. Merci de me coincer en direct à la télé. Sur les requins qui attaquent. C'est gentil. Bravo. C'est gentil. Et donc, en fait, d'après ce fichier, ouais. Donc, il y aurait 15 attaques de requins mortelles pour 150 morts par chute de noix de coco. Waouh. Wow. Ça fait pas mal de chiffres. C'est ça. Et figurez-vous, que les requins sont moins dangereux que les éléphants et moins dangereux que les méduses parce qu'on recense à peu près 5000 morts par piqûre de méduse par an. Mais c'est juste que le requin, c'est atroce. Comment c'est atroce ? Tu te fais mordre par un requin, il te... En fait, atroce, le sang, mais ça va pas, non ? Mais en fait, le requin, pour aller dans ton sens et t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'il a été vraiment diabolisé dans les années 80 par la médiatisation des attaques, alors qu'elles étaient deux fois moins nombreuses qu'aujourd'hui. D'accord. À cause des Dents de la Mer, soit dit en passant. En partie. C'est content. On vous apprend quelque chose. Voilà. C'est content, j'ai dit oui. Voilà. C'est moins tirant qu'en titre. De véritables informations. Très bien, ok. De toute façon, écoutez. Attendez. Qu'est-ce qui est aussi, par contre, 100 fois plus... vous avez 100 fois plus de chances de vous ramasser quelque chose sur la tête que d'être attaqué par un requin. À votre avis, c'est quoi ? La pluie. Non. On va accélérer. La grêle ? Non, c'est un œuf d'autruche. Vous avez 100 fois plus de chances d'avoir un œuf d'autruche sur la tête que de vous faire mordre par un requin. Ça arrive souvent à des gens de croiser des donc je ne sais pas si cette statistique ça s'applique au câble, mais bon. Je ne sais pas si ça réconforte ou c'est plutôt flippant. Ça veut dire c'est surtout inattendu. La prochaine fois qu'on part à la plage, on a peur d'avoir des œufs d'autruche sur la gueule, c'est ça. C'est toujours mieux qu'un requin. C'est des raccourcis trop simplés, mais peut-être oui. Bon, bref. Bon, on va passer à la troisième. Vas-y. Ouais. Super. Allez. À votre avis, vous en avez trouvé aucune? Écoute, c'est compliqué. Je pense que techniquement, j'avais raison sur les 10 requins. Ah. J'étais pas loin. Arithmétiquement parlant, il a vu. Voilà. Pas plus. Alors, quelle est la part à trouver par le métro new-yorkais pour ne pas se faire voler ses lampes et ampoules? Le métro new-yorkais. Ne pas mettre les lampes et ampoules. Non, ça c'est un autre. Ne pas les nettoyer. C'est intéressant. Tu devrais soumettre l'idée. Attends, on peut faire mieux. Vite, tic-tac, tic-tac. Rien ne me vient. Je sais pas. Tu vas fermer le soir. Pardon ? Fermer le métro le soir ? Mais ça ferme. Je vais vous le donner parce que là, on est en train de galérer dessus. Ben, en fait, il les monte. En fait, elles se vissent juste à l'envers. Comment ça ? À l'envers. Elles se vissent à l'envers. En fait, au lieu de dévisser la lampe en sens anti-horaire, elle se dévisse en sens horaire. Attends, et tu veux dire que personne au monde ne s'est trompé en essayant de dévisser la... Mais ça prouve à quel point les Américains ne sont pas très futurs. Oh mon Dieu, on n'a pas le droit de dire ça à la télé, arrête. Arrête, on n'a pas le droit de dire ça à la télé. Mais non, je plaisante. Tu les taquines, non? Je n'ai rien entendu. Ok, allez, on enchaîne sur la dernière. Vous connaissez tous l'Eurovision? Plus ou moins. Ah oui. C'est la compétition musicale un petit peu. Voilà, c'est un peu la compétition. Voilà, vous voyez. C'est magnifique. C'est la compétition musicale, on prend des pauses à la Dragon Ball. Donc là, c'était la Hongrie, par exemple. Je connais beaucoup. Oui. Voilà, donc l'Eurovision, bon, c'est en fait, grosso modo, c'est une compétition musicale qui regroupe tous les pays d'Europe. Et tu penses qu'on a l'équivalent ici? Et c'est un peu nul, c'est un peu nul et ringard. Non, mais c'est surtout des gens bizarres qui se déguisent bizarrement et qui chantent bizarrement. Il y a eu une petite fille qui a participé à The Voice France et qui a participé à l'Eurovision pour représenter la France. Je sais pas à quel point on s'en fout. La violence. J'ai l'impression que ça tire à balles réelles aujourd'hui, il faut commencer à s'entraîner dès maintenant. Bon, bref,
Eurovision, concours assez ringard. Mais à votre avis, quelle est la corrélation entre l'Allemagne qui participe à l'Eurovision et les morts, et les personnes foudroyées et mortes par la foudre en Allemagne? Alors, elle faisait des poses improbables qui leur donnaient les mêmes propriétés qu'un paratonnerre. Attends, moi j'ai pas saisi. Ah, pas loin. Attends. Pas loin. Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Oui, vas-y. Concentration. Okay. Eye of the tiger. Okay. Go ahead, Russia. Quelle est la relation entre le score de l'Allemagne à l'Eurovision et le nombre de morts par la foudre en Allemagne? Tu as plus de chance d'être frappé par la foudre. C'est le même chiffre? Presque. C'est violent, le même chiffre? Ah oui, elle n'a pas tort. Et en fait, c'est le même chiffre, peut-être? Quasiment. En fait, non, mais c'est pas ça. C'est... Mais à chaque fois que l'Allemagne marquait beaucoup de points à l'Eurovision, le nombre de morts par la foudre grimpait. À chaque fois que le score de l'Allemagne descendait... Où est ta corrélation, Samy? Mais c'est ça, mais en fait, à chaque fois que l'Allemagne marquait plus de points à l'Eurovision, il y avait plus de morts donc par la foudre. Donc il est sacrifié par la foudre. C'est improbable. C'était tellement improbable que voilà. C'est ça, mais... C'est très bizarre. Regardez le graphe. Qui est-ce qui a fait En 2008. Attends. Je veux savoir. Mais attends. Attends, et ça vient du très sérieux institut de statistique allemand. Waouh. J'invente rien de... Ok, on te croit. Et je vais acheter aux aircoutes. Donc, je ne sais pas dire autre chose. Mais écoutez-moi. Merci. 2008. En fait, vous avez la courbe rouge qui représente le score de l'Eurovision de l'Allemagne. D'accord. Vous avez la courbe l'autre, quoi. Je ne connais pas la couleur. Mais en truc en vert. En 2008, en 2007, vous voyez, regardez le score en 2008. Il est bas. Hey. Ça baisse. Regardez l'année qui a suivi en 2009. Regardez, en fait, il y a une corrélation entre les baisses et les hausses des scores. Ça fait peur. Hein. Donc j'adresse de manière solennelle un message à la chancellerie allemande. Arrêtez de participer à l'Eurovision, s'il vous plaît. Voilà. On ne veut pas que le nombre d'habitants de la planète Terre diminue parce que vous participez et que vous gagnez l'Eurovision. Non, de concitoyens allemands. Oui, ouais. On en a besoin. Entre Ce autres. Sont des braves gens. Ouais. Oui, ils font de belles voitures. Enfin bon, ça sera encore considéré comme étant... Placement de produits, des programmations, on arrête. Mais tu dis à tricot. Alors bon, on arrive au table. Est-ce que vous en voulez encore une? Oui. Le public, vous en voulez encore une? Je vais demander un encore. J'ai rien entendu. Oui, voilà. Un peu de conviction, s'il vous plaît. On a le public le plus vivant du monde, je pense. Mais bon, allez. C'est Tipar. Quels sont les dessins animés Disney dont les parents du héros ou de l'héroïne sont vivants du début jusqu'à la fin ou ne meurent pas dans ce dit dessin animé? Ok. Lilo et Stitch, s'il te plaît. Faux. Répéter, s'il te plaît. Quels sont les dessins animés Disney dans lesquels les parents ne meurent pas? Ratatouille. Faux. C'est quoi? C'est des parents. Vite. Allez. Je sais pas. Bon, c'est pas sans brillant. Hercule. Bien vu. On en a un. D'accord. Hercule. Wow. On est présent ou pas? Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie de débattre. J'allais dire Shrek, mais c'est pas Shrek, c'est pas Disney, c'est un ogre. C'est tellement c'est tellement plus simple quand ton papa ou ta maman ne peuvent pas mourir. C'est simple c'est les avoir jusqu'à la fin. C'est vrai qu'Hercule, il avait fait s'il te plaît, une vraie réponse. Je dirais Mulan, parce que c'est Disney. Pourquoi? Je vais vérifier. Why? Oui, bravo. Sérieux? Bravo. Merci. Allez, un dernier, essaye de trouver encore un. Il y en a encore un? Il y en a encore trois. Disney, Bambi. Oui, bien sûr, Bambi. Dexter et Didi, je ne sais pas, moi. Je crois qu'il n'a pas vu la première scène de Bambi. Comment ça, la première scène de Bambi? Je ne vais pas spoiler. Bambi, il y a un chasseur, il vit sa maman, il cherche sa maman, il n'y a plus la maman. Mais on ne voit jamais la maman de Bambi. On commence toujours la cassette. Ben voilà, la maman. C'est pas Simba? Non, mais attends. Le Roi Lion? D'ailleurs, il était préservé quoi par sa femme. Je regardais pas beaucoup de dessins animés. Attends. Toi qui as une anecdote par rapport à un cinéma et la mort de Mufasa, elle est en train de dire que Simba a ses parents de bout en bout de l'émission. On était à Riyad al-Fahd en train de regarder Le Roi Lion et au moment, on voit le nécrophile. On a Mufasa qui est en train de crever et t'as l'alarme incendie. Et tout le monde, c'était quoi le réflexe? Le réflexe. On sort pas. Éteignez l'alarme. Allez, écoutez, je vous donne rajouter quelque chose, Samy? Je ne sais pas si c'est du blasphème, mais je n'ai jamais regardé Le Roi Lion. D'accord, je ne relèverai pas. Moi aussi, je n'ai pas encore vu Le Roi Lion. T'inquiète, j'ai fait pire et vous le saurez plus tard. Bon, alors, je vous donne ceux qui restent. Les 101 Dalmatiens, Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois Dormant,
Et voilà, en fait, sur la centaine de dessins animés Disney. Donc, en fait, non, il fait pas bon d'être parent d'un héros Disney. D'un dessin animé Disney. Allez. Peter Pan voulait enlever les enfants à leurs parents. Bah, écoute, c'est très intéressant comme histoire. Allez, les amis, faut qu'on passe à la suite. Allez, on va passer sur la partie débat. Jingle, les amis. Alors, pour cette question, le cinéma est-il en train de mourir, qui sera le débat de ce soir, nous accueillons un super invité qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Monsieur Sahbi Faisal, enseignant à l'Université d'Oran en communication et cinématographie. Faites du bruit pour Faisal. Salut Faisal. Bonsoir. Ça va, très bien. Et vous? Alors, heureux d'être avec nous. Comment? Heureux d'être avec nous. Je peux pas dire non. En même temps, ça passerait mal. C'est une évidence. Oui, je pense. Vu qu'on t'a invité, ça serait pas bien de dire que. Ouais, sinon je serais pas venu. Ouais, je pense aussi. C'est logique. Alors, on va commencer sans plus tarder. Bon, vous savez, chers tous, qu'avec le début de la VHS, donc la vieille cassette qui fait crac dans notre magnétoscope, la bande qui marchait pas, etc. Et l'arrivée du DVD, du Blu-ray, des home cinéma, des tailles d'écran qui grandissaient de plus en plus, le cinéma a commencé à se faire du souci. Donc aujourd'hui, moi je veux commencer par vous poser une question qui est très très simple. Est-ce que le cinéma n'a pas du souci à se faire actuellement? Oh que si. Malheureusement oui, entre la TV qui est le concurrence, la VHS, le DVD et les Sono Home Cinéma, bah, tout ça font que le cinéma devrait s'inquiéter de son avenir. La plus grande menace reste les plateformes de streaming. Bon, les plateformes de streaming, on y arrivera un peu plus tard. Ça fait partie d'une des menaces, on y arrivera un peu plus tard. Ouais. Est-ce que Faisal, toi, tu penses que le cinéma a été menacé à la toute prime jeunesse de la VHS et du DVD? Vous voulez la réponse courte, moyenne ou longue? Ça dépend. La plus pertinente? La plus pertinente, on le laissera pour la fin, mais je dirais que non. Contrairement aux apparences, le cinéma n'est pas menacé. Parce que pour la réponse moyenne, c'est que l'histoire du cinéma, c'est une chronique de mort annoncée. Le cinéma est né à peu près à la fin du 19e siècle et on pensait que ce n'était pas un projet viable, vraiment viable. Et il a fallu une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour qu'on s'apercevoit que le cinéma est là en tant qu'art, en tant qu'industrie. Tant qu'il y a un public, tant que ça ramène de l'argent, donc c'est viable. Et il faut savoir aussi que depuis 120 ans, ce qui est l'âge du cinéma, on est passé par plusieurs fois où on pensait que le cinéma allait mourir. Donc dès le départ, dès les années 30 à peu près, dès l'apparition de la couleur ensuite, du sang ensuite de la couleur, on pensait que le cinéma est mort. Ensuite, dès les années 50 et la généralisation et la démocratisation de la télévision dans les foyers, des sociétés occidentales, on pensait que c'est vraiment la mort du cinéma, on allait même acter cette mort, mais il a su s'adapter. Il a su s'adapter, il y a eu une métamorphose, il y a eu une révolution du cinéma. Et il a changé de code dans ses codes, dans sa manière, et il a passé le cap. À partir des années 70, les années 80, il y a eu le VHS. Je ne sais pas si j'anticipe un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Le VHS a été une annonce de mort, une deuxième annonce de mort du cinéma. Parce que, je me permets d'arrêter, en fait, la VHS proposait une offre que le cinéma ne pouvait pas proposer, c'était en fait une sorte de permanence de l'expérience cinématographique à la maison. Au lieu d'avoir une expérience éphémère au cinéma où tu vas regarder ton film et tu ressors, avec la VHS, tu peux la regarder autant de fois que tu veux. Oui. En fait, je pense qu'on oublie un paramètre. Parce qu'on parle, le cinéma n'a pas eu vraiment de problème du début jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a pas, c'était à chaque fois on faisait plus, il y avait plus d'argent et tout. Le deuxième coup, ça a été la télévision vers les années 50. Le premier coup, ça a été parce que le cinéma avait le monopole de tout ce qui était les salles de cinéma. Ils avaient les clés. On est là, on dit un film, combien de temps il reste,
pendant combien de semaines, quand est-ce qu'on enlève, ils avaient le monopole. Mais après, une fois que la Deuxième Guerre mondiale s'est finie, il y avait de la propagande et tout, le gouvernement a demandé au cinéma de renoncer à quelque chose. Il ne pouvait pas renoncer à l'exclusivité et tout. Qu'est-ce qu'il a renoncé? Il a renoncé au fait d'avoir la chaîne. Permets-moi, en fait, je vais permettre de rebondir sur toi pour donner une info. Et en fait, en Europe, il y a eu une loi qui a été mise en place, qui est la chronologie du cinéma, qui permettait en fait de pouvoir soi-disant préserver le cinéma, donc il décalait les sorties. Donc je vais vous donner un schéma assez simple. Donc imaginons que la sortie aujourd'hui se fait d'un film. La sortie en VHS, DVD ne peut pas se faire le même jour. C'est une chose qui est logique parce qu'il faut rentabiliser le film au cinéma. Okay. Donc ils ont posé un planning. Ouais. Voilà, donc le planning qui est là, donc nous avons eu un décalage de 4 mois entre les sorties cinéma et DVD, Blu-ray, VOD. Ouais. Après 8 mois, on est sur les chaînes payantes du câble. Après 18 mois, on arrive sur les autres chaînes payantes un peu moins haut de gamme, on va dire. Ouais. Au bout de 22 mois, on arrive sur les chaînes gratuites qui sont ouvertes à tout le monde. Et chose qui va commencer à faire débat un peu plus loin dans l'émission, c'est les 36 mois pour l'apparition sur les plateformes de streaming. Pardon, s'applique toujours aujourd'hui? Pardon? Ce planning, bien sûr, bien sûr. Et on commence à le questionner, ce planning. Ouais, oui, en fait, c'est pas partout. Et, parce que ce schéma est valable en France uniquement. Oui. Parce que ça a été validé par le CNC en France. Mais en Europe orientale, par exemple, il n'est pas respecté. En Espagne, un peu moins. L'histoire du cinéma en France est particulière parce qu'il y a ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Donc, c'est la télévision, en fait, y compris le sport, qui finance le cinéma. D'accord. Donc, ils sont obligés de respecter ce calendrier. D'accord. Et maintenant, on est en train de remettre en question ce calendrier. Mmh. Et je pense qu'on ira vers un calendrier où on va raccourcir un petit peu les délais. Désolé, excuse-moi, mais là, de ce que vous dites, tu dis le monopole, tu parles de plusieurs crises qu'a vu le cinéma depuis le tout début, mais donc, est-ce qu'en fin de compte, le cinéma ne bénéficie pas, excusez-moi, du privilège du pionnier? Parce qu'il était là en premier. Donc, même si la télé est venue, la VHS, etc., pas, etc., c'est le pionnier ne disparaît jamais. Ah, même s'il s'affaiblit un peu. Pas forcément. Je vais te donner juste un exemple. Regarde, Nokia a été le leader et pionnier de la téléphonie mobile comme on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est vrai, oui. On le voit quasiment plus. Ça donc, en fait, les monopoles changent en fonction de l'époque. C'est très juste ce que tu dis, mais je crois que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que le cinéma, ça reste une forme d'art. Et si on veut partir dans l'analogie d'âge d'art, on n'a qu'à voir le théâtre. Ce n'est pas la forme d'expression la plus populaire du monde. Ouais, mais après, me dire que le théâtre est mort... Ouais. En tout cas, un des premiers signes qui a encore enfoncé damer le clou à la mort du cinéma annoncé, donc annonce d'une chronique... Depuis toujours, d'après je perds mes mots. Mais bon, ça a été aussi l'apparition, les débuts d'Internet et l'apparition du piratage. Donc, avec les premières plateformes aussi de streaming, parce qu'il y a eu le piratage classique, mais aussi les plateformes de streaming... Oui. Légal et illégal, en passant. C'est ça, donc les fameux 72 minutes et les 54 minutes d'arrêt de méga-upload. C'était et de magnifique. C'était génial. On n'a pas le droit de dire ça parce que c'est illégal. C'était pas bien. C'était mauvais. Moi, je pense que c'est une sorte de sabotage. Du cinéma ou bien du web? Non, je veux dire, imagine un réalisateur qui réalise un film qui est bien fini, l'image est magnifique, et je ne sais pas, il est en train de chercher sur Internet, il tombe sur son film avec une qualité, je dirais pas pourrie, mais médiocre, c'est vrai. Gratuitement, alors qu'il a passé peut-être des mois et des années à réaliser. Au-delà de voler l'œuvre de quelqu'un, tu trahis aussi la vision de l'auteur. Oui, c'est un peu bizarre. Vous savez, à cause de Méga Vidéo, les entrées ciné ont fortement baissé. Par rapport au cinéma? Oui, parce qu'en fait, Méga Vidéo permettait de voir un film avant même sa sortie ciné. C'est vraiment dangereux pour le monde du cinéma. C'est vrai, Annie, que si tu reviens à l'Algérie de mes parents, c'est-à-dire en 75, le cinéma, c'était un événement qui était culturel. Enfin, ils me disent, le jeudi, on partait au cinéma, c'était toute la semaine, on planifiait. Est-ce qu'on part au cinéma à thème, je ne sais pas, qui sort de l'Égyptien? Est-ce qu'on va regarder de l'Indien? En même temps, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça, il n'y avait pas les chaînes satellitaires. C'est clair, c'est ça. C'était culturel aussi à l'époque. Ça l'est toujours. J'ai travaillé un petit peu sur cette question et comme quoi il y avait plus d'influence sur les salles de cinéma que maintenant. C'est pas vrai. En fait, dans l'histoire du cinéma algérien, il n'y en a que deux films. Il y a deux films qui ont été rentabilisés dans toute l'histoire du cinéma algérien. Et le reste,
Il y a Rachid Boujdah, avant que ça soit un immense romancier, oui. Il s'est intéressé au cinéma au même titre que, j'ai oublié le nom, Tamzali aussi, elle s'est intéressée à l'histoire du cinéma et au discours du cinéma. On regardait surtout des productions indiennes et égyptiennes. Oui. Et ensuite, il y avait de la production américaine, ce qu'on appelait la série B, le Western Spaghetti. Absolument. Mais les grands films qu'on nous montre maintenant, dont on parle maintenant, en fait, c'est une sorte d'effet loop. On admire et on se remémore les moments où l'on était bien, on oublie tout le reste. Oui, donc c'est un effet de loop. C'est de la nostalgie, quoi. C'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie. C'est pas vrai. Moi, mon propos, c'est pas tant que... Oui, mais c'est humain. C'est humain parce qu'on n'aime pas le changement aussi. Excusez-moi. En fait, nos parents nous parlent souvent du ciné. En tout cas, moi, mes parents m'ont souvent parlé du ciné. Et j'ai grandi avec cette idée-là. En fait, je me sens nostalgique d'une époque que je n'ai pas vraiment bien connue. C'est magnifique. Je suis d'accord avec Bé, c'est toujours un événement. Le cinéma, c'est toujours un événement. Ça restera toujours. À la maison, avec les plateformes de streaming, le fait d'aller justement, je peux permettre de te couper parce qu'il faut qu'on avance aussi à un moment. Tu viens d'évoquer les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming sont apparues de manière tout aussi normale par une mutation en fait du streaming illégal. Donc on est parti vers des plateformes de streaming légales. Voilà. Et les plateformes de streaming légales aujourd'hui arrivent. En fait, elles se sont fait tellement de bif à un moment. Ouais. Oui. C'est qu'elles ne concurrencent plus la télé, avec la production de séries télé qui les ont amenées à se rendre quasi de monopole aujourd'hui, mais elles concurrencent le cinéma avec des productions où on a vu aller. Ils sont primés aux Oscars, on peut citer Okja. Avant d'être primés, ils ont été aussi interdits de compétition. Soit dit en passant. Voilà. Interdit. Une fameuse année 2019, si je ne me trompe pas, Faisal. Exact. Oui. Voilà, c'était un petit festival dans une petite ville paumée. Quelque chose comme Cannes, voilà, non, si je ne dis pas de bêtises. Comme quelqu'un comme Martin Scorsese, qui a fait The Irishman et j'en passe, produit un film sur Netflix. Il était contre. C'est qu'il y a quelque chose. Il était contre au départ. Il n'y a pas longtemps. Ah bon, oui. Les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il était opposé. Non, je crois qu'il a eu les schmoules. De diffuser ses films. Sur petit écran, ouais. Avant de les diffuser sur grand écran. Il était contre jusqu'en 2017, il a été obligé, parce qu'il est assez intelligent pour s'apercevoir que le cinéma n'est pas en train de mourir, il est en train de faire sa révolution. Et peut-être le cinéma sur Netflix ou sur les autres plateformes, y compris Amazon, par exemple Amazon Prime, c'est peut-être le cinéma de demain. L'une des difficultés et l'une des contraintes pour répondre à cette question si le cinéma est en train de mourir, c'est la polysémie du mot. La polysémie, c'est qu'une multitude de sens au même mot. Parce que pour cinéma, il y a l'industrie, il y a l'art, il y a aussi l'espace. Salle de cinéma, il y a aussi l'espace. Donc, l'industrie cinématographique, elle est en ce moment en souffrance, mais l'art du cinéma ne s'est jamais aussi bien porté. Il est partout. Et contrairement à ce qu'on croit ça, aussi... Excuse-moi, je vais te couper deux secondes. Plutôt, je vais apporter de l'eau à ton moulin. Je vais vous mettre d'accord, toi et Annie. Quand Annie te dit que Scorsese est mis sur Netflix et que tu parles, en fait, de... J'entends que ce que tu dis, c'est que le cinéma, quelque part, il est en train de se porter bien. La cinématographie. C'est peut-être qu'à un moment, Scorsese, il s'est dit, il n'y a que sur des plateformes de streaming que je vais avoir l'opportunité de faire un Irishman qui fait presque 3 heures. Au cinéma, on demande à un exploitant de passer un film de 3 heures, il va te répondre que c'est pas possible. Coppola, il va te demander Coppola est en train de sortir un remake du Parrain 1 et 2 qui va faire sur Netflix, qui va faire 4 heures. Parce que la première fois, on ne lui a pas permis de faire un film de plus de 3 heures. Donc il fait ça, impatient. Justement, est-ce que vous me permettez de poser une question à Monsieur Sahbi, si c'est possible? Donc en fait, j'ai une question qui me titille un peu. Est-ce que tu penses... Désolé, est-ce que vous pensez, j'ai l'habitude de tutoyer tout le monde, donc allez, vas-y, on va le faire comme ça. Est-ce que tu penses que, en fait, le fait de migrer ou de passer du cinéma vers les plateformes de streaming pour les réalisateurs, excuse-moi, c'est, on va dire, un comportement ou une action qui est assez réfléchie et intelligente? Est-ce que c'est un bon investissement, en fait? Ils sont obligés, de toute manière, ils n'ont pas le choix. On se dirige vers une migration vers les plateformes. Et quelqu'un d'intelligent, il va accepter. C'est normal qu'il y ait une sorte d'opposition psychologique. C'est par rapport au statut, parce qu'au départ, Hollywood, c'était pour les cinéastes, pour le cinéma, et New York, c'était pour les séries. Donc le fait de traverser l'Amérique
et d'aller de Los Angeles à New York, ça faisait d'eux une sorte de relégation vers la deuxième division. C'est une sorte de deuxième division. Dégradation, ouais. Oui. C'est en Ligue 2, quoi. Ouais, mais après, là, je permets de t'arrêter tout de suite parce que là, tu es en train de parler de deuxième division. Est-ce que maintenant, le cinéma ne va pas devenir la deuxième division du streaming, du SVOD? On va y revenir. Je te laisse. Réfléchis-y. Mais on va y revenir à la fin. Moi, je vais tout de suite te dire non. Ah, je veux pas ta réponse maintenant. Pardon, j'aimerais juste poser une question. Non, vite fait. Non, faut qu'on avance. Je suis désolé, faut qu'on avance. Non. Oh. Parce qu'en fait, moi, j'ai une question. Je suis sûr que j'ai une question plus intéressante que la tienne. Je pense pas. Vas-y. Voilà. Je pense on écoute. Bah, j'avais prévenu que j'allais tirer à balles réelles aujourd'hui. Elle est où ta question? En fait, tu m'as pas touché pour un regarde, regarde, Faisal. Je vais poser une question à Bey parce que je sais qu'il va avoir une réponse pertinente, très poétique, très philosophique. Est-ce que les sagas au cinéma et les suites à répétition ou les grands projets cinématographiques comme le Marvel Cinematic Universe ou les grandes sagas comme Star Wars ne sont-elles pas à l'origine du désintérêt du téléspectateur pour le cinéma? J'avoue que c'est une bonne question. C'est une excellente question. Et je suis d'accord que tu aies pris l'exemple de Star Wars parce que dans la même saga, je peux te donner deux exemples qui sont excellents. Qui sont, tu le penses, la prélogie. Oui. Et la nostalgie ou la postalogie, ça dépend donc comment vous l'appelez. Donc en fait, ce que tu appelles prélogie, c'est l'épisode 1, 2, 3, qui sont sortis en 99, 2002 et 2005. La nostalgie, c'est la pourriture qu'a fait Disney. Je suis désolé, mais c'est ça. En toute objectivité 2017, de Samy. 2015, 17, 19. Bon, voilà. je vais être plus tendre et je vais juste recontextualiser. Ouais, mais on n'était pas là pour être tendre, mec. Mais, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que c'est de la pourriture. Ils essaient des choses, mais ils essaient des choses n'importe comment. Bah, écoute, la postalogie, c'est typiquement une suite qui a été faite sans réfléchir, sans planifier. Mais non. C'est une histoire qui est finie, Samy, et tu essaies de me raconter une suite. Mais pourquoi? Mais non, pour te faire de l'argent. Moi, j'ai regardé qu'un seul Star Wars et c'était tellement pourri que je n'ai pas compris pourquoi j'ai payé le ticket du cinéma. Je crois que je vais faire comme si j'avais rien entendu. C'était le dernier Jedi. Bah voilà, tu vois. Elle a jamais vu Star Wars. Il a fallu qu'elle commence par c'était le plus pourri pour qu'elle déteste la saga. Il fallait qu'elle regarde le premier. C'est très intéressant ce que tu dis. Et tu, en fait, tu es. Elle je vais pas reprendre sur le deuxième épisode de la troisième saga. Mais je sais pas. Par exemple, les Avengers, j'ai adoré. Parce que c'est épisodique, c'est plus une série qu'une saga de films. Non, je suis pas du tout d'accord. Là, direct, je vais te rentrer dedans. Vas-y, ça. Je suis pas du tout d'accord. En fait, le Marvel Cinematic Universe n'est pas épisodique. Il est épisodique, mais pas sériel. Parce qu'en fait, il faut imaginer le MCU. En fait, maintenant qu'on a une vue d'ensemble du MCU, le MCU est un grand projet cinématographique d'univers partagé d'une seule et même saga. Alors en fait, pour voir le MCU, maintenant qu'on a en fait les quatre phases qui sont terminées, il faut voir le MCU comme étant quatre films Avengers qui ont eu des spin-offs. D'accord. Ouais. Star Wars est une saga qui, le jour où ils ont allumé la première caméra, a été écrite de l'épisode 1 à l'épisode 9 par George Lucas. L'épisode 9? Oui, monsieur. L'épisode 9 qu'on a vu, toi et moi, récemment. Non, parce qu'en fait, Disney a mis à la poubelle les travaux de Lucas. Samy, s'il te plaît, si tu me le permets, je vais donner un avis, mais assez outsider. Vas-y. Moi, je pense pas juste que ce soit... Voilà, en fait, regardez l'instantané qu'aujourd'hui, on a de l'univers Marvel, qui est extrêmement compliqué, et ça, vous avez à peine 10 ans. Il compte faire des films encore jusqu'à 2028. Vous imaginez la complexification de ce... Pardon ? 2024 ou 2028 ? 28 avec la phase 5 et 6. Il va y avoir certainement une phase 6. Ouais. Écoute, Samy, toi bif. Comme moi, on a déjà vu des... Tu vends quelque chose d'un peu pourri. Tu te fais de l'argent. Tu vas arrêter ? Non. Voilà. Non, sérieusement, laissez-moi finir. Non, mais excuse-moi, je t'ai coupé encore une fois. Donc en fait, moi je pense pas... Star Wars. Mais attends, laisse-la parler. Let's lady speak, please. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est pas à cause de ça. Moi, je pense que depuis que la télé a vu le jour, on va dire qu'il y a... Il a commencé, on va dire que ça a commencé à avoir des petites cassures. C'est normal. Pourquoi tu voudras aller dehors, surtout si c'est en hiver et qu'il neige, je ne sais pas, quelque part, alors que tu as un petit écran carré qui peut te permettre de regarder des trucs en VHS, quoi. C'est la proposition, en fait, de la SVOD, c'est pour contrer ce genre de choses. Là où ils sont forts. Mais Samy, ce que Raja est en train de raconter, c'est juste, mais c'est juste uniquement à partir du moment où on a la parabole, parce qu'avant, c'était quoi? Tu regardais un film qui est déjà ancien. Mais tu décontextualises. Merci, tu décontextualises. Moi, je parle de manière générale En Algérie, tout le monde a vécu la parabole. À partir du moment là où tu as le bouquet, le cinéma n'a plus d'intérêt, parce que tu peux zapper, tu as toutes tes chaînes, tu peux te rassembler. Le cinéma, c'est pas un passe-temps. Je suis d'accord avec toi, c'est un rituel. Non, c'est pas pareil, il faut dissocier les deux. Je suis d'accord. Par contre, là où je vais vous mettre tous d'accord, c'est que
C'est vrai que c'est un événement. C'est vrai que c'est contextuel. C'est un divertissement avant tout. C'est un divertissement. Ouais. C'est vrai que c'est plus cool d'aller au cinéma que de rester en face de son canapé. Mais attendez, on va se mettre dans la peau d'un user lambda. D'accord. Voilà. Comme moi. Okay. Voilà. Imaginons que par salut, exemple lambda. Aujourd'hui. Hey. Bonjour lambda. Alors lambda, tu es marié, tu as trois enfants. D'accord. Ou quatre okay. enfants. Deux. Oui. Deux. D'accord. Voilà. Tu es marié, tu as deux enfants. Mais pour les besoins de la démonstration, tu en as quatre. D'accord. Okay. D'accord. Voilà. Tu as eu deux fois des jumeaux. Bon, ça va faire des heureux. Hein. D'accord. Ok. Bon, ok. Tu feras ta soupe à la maison chez toi. D'accord. Ok. Les jumeaux, ça fait tic et tac. Tu sors. On peut le faire sortir. Merci. Non, non. Le faire sortir, ils vont nous traiter oui, encore continue, de plagiat d'un certain talk show. Lequel ? On va sortir un beau gosse d'un plateau, c'est décevant. Oh là 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 là. Bref, non, non, bref. Non, mais oui, en fait, vas-y, continue. Regarde. Tu es là, ouais. Tu as quatre enfants. Ouais. Vous êtes deux au foyer, donc vous êtes six. Ouais. Vous allez au cinéma, ça va te coûter une blinde. Alors qu'à la maison, en fait, tu as ton abonnement streaming, en fait. Une sortie au cinéma va te revenir à l'équivalent de deux mois de streaming. Écoute, au lieu d'aller au cinéma... Mais en plus, t'es chez toi. Attends, je vais acheter le DVD. Oui, payer un compte. Et je vais. Elle est old school, hein, attends, lambda. Mais... Elle est en quelle année? Ben justement, la dernière fois que j'ai regardé la télé, c'était carré. Donc, quoi? Quoi? Jugez, ne me jugez quelle pas. Télé? J'aime être quelle à la télé. J'aime pas c'est regarder la télé. C'est ça la différence. Non, sérieusement, ça me permettra de faire voir aux gosses plusieurs fois pendant que je fais ma soupe. Je suis d'accord. Mais en fait, d'un autre côté, en fait, parce qu'il faut qu'on avance, je suis désolé de te couper. Oui, vas-y. En fait, actuellement, on est en train de vivre, là je reviens vers toi Faisal, on est en train de vivre une situation très spéciale. En fait, après les attaques du streaming envers le cinéma, on a eu là, en fait, on a eu le boss final du game qui est arrivé, c'était le Covid. Mmh. Voilà. Le Covid, en fait, je vais te donner un postulat de base. Imagine que je suis ton étudiant. Ah, salut monsieur, tu vas bien? Allez-y. Ça va. Voilà, ça va frère. Ça va frère, tranquille. J'espère qu'il parle pas. Notes, ça dépend. Enfin, généralement, c'est les notes. Un étudiant, ça parle pas comme ça, je suis désolé. Et bref, en fait, monsieur, ça va en bien. Fait, regarde, aujourd'hui, en fait, je vais te donner plusieurs données. Tu vas essayer de nous solutionner cette problématique. Le streaming attaque le cinéma avec une nouvelle proposition beaucoup plus alléchante et ça peut être peut-être la révolution du cinéma ou une continuité du cinéma sous une autre forme. Et d'un autre côté, tu as le Covid qui a fermé les salles de cinéma pendant presque une année. D'un côté, Disney n'a pas anticipé, mais je me mets à leur place, ils ont produit un film Mulan 2020 à plus de 250 milliards de biftons, 250 millions pardon, de dollars. Mmh. Ils ne peuvent pas l'exploiter, ils ne peuvent pas le rentabiliser, ils sont en perte sèche, les parcs d'attractions sont fermés, ils perdent des millions de dollars par jour. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, j'ai une plateforme de streaming Disney+, je sors mon film dessus. Un peu plus tard, ça fait des émules. Qui ? HBO Max, Warner. Il y a une semaine, un mois et demi maintenant, ils ont annoncé en fait la mise en ligne sur leur service de streaming de tous leurs films Day One. Donc par exemple, Wonder Woman 1984, quand il va sortir au cinéma, il sortira en même temps sur la plateforme de streaming. Mmh. Les gens, moi, à mon sens, n'iront plus au cinéma. Est-ce que tu penses que la loi française sur le planning des sorties peut sauver le cinéma ? En partie. Et en fait, c'est très réducteur de résumer le cinéma à une simple expérience de visionnage d'un film. Le cinéma, le cinématographique englobe un tout dont le filmique n'est qu'une partie. En 1956, il y a eu une étude aux États-Unis financée par des studios américains d'ailleurs, là où on finance des recherches. Et un certain Lazarsfeld, il a trouvé que 56% des Américains sortent au cinéma pour rencontrer une éventuelle épouse ou un éventuel époux. C'est vrai, c'est aux États-Unis. Les années 50. Non, c'est pas mal. Pas pour regarder un film. Donc chez toi, dans ton salon, à quelques exceptions, tu rencontres pas une épouse. À moins que ta Tinder. Tu manges. Tu vois, il y a pas acheté ton popcorn. Attendez, laissez-le parler. Oui, et tu vas pas acheter ton popcorn et c'est pas une expérience cinématographique. Donc quand on paye un ticket de cinéma. Après, pour le prix, c'est un autre sujet. Il faut trouver le prix juste et tout. Il y a des études à faire. Quand on paye son ticket de cinéma, ce n'est pas seulement pour avoir un film, mais c'est pour trouver une expérience et des éléments d'expérience. Après tout, les plateformes, ça peut être une sorte de porte de sortie temporaire. Mais la Covid ou le Covid ne va pas durer tout le temps. Et après, il y aura certainement une relance des activités à l'extérieur qui va booster le cinéma. On prévoit tout ça, mais sur le court terme, ça peut sauver le cinéma. Moi, j'ai peut-être une autre question à te poser en fonction de ce que tu viens de me dire. Covid fini, d'accord ? Qu'est-ce qui va pousser les gros studios
à se défaire de leur plateforme, donc circuit court, parce qu'en fait, ils sont chez eux, donc ils ne payent plus rien. Ils court-circuitent plusieurs acteurs pour continuer à sortir au cinéma. Est-ce que là, est-ce qu'en fait, avec tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas l'expérience cinématographique qui est en train de mourir ? Je ne pense pas. Elle est en train de faire sa révolution discrètement, mais sûrement. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Oui, il y a une métamorphose, une mutation. Si on parle un petit peu économie, dès la fin du Covid, il y aura 500 milliards d'euros qui seront injectés dans les circuits en Europe. D'accord. Et dans le mot d'ordre, c'est la consommation. C'est-à-dire on va pousser les gens à consommer, à consommer plus pour qu'il y ait assez de richesses partagées pour relancer une sorte de politique de ruissellement qui profite du haut en bas. Et quand on prend le cas du cinéma, par exemple. Dans le cas du cinéma, quand on invite les gens à sortir, ils vont partir dans des salles de cinéma. Donc en fait, pour toi, l'expérience cinématographique va juste évoluer vers quelque chose. Certainement. Comment elle l'a fait à chaque fois. Vas-y, une dernière question. Essaye de le faire rapidement. Faisal, excuse-moi, est-ce que tu trouves que le cinéma, en quelque sorte, c'est un réincarné ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est des plateformes SVOD. En partie, oui, mais pas totalement. D'accord. En partie, mais pas totalement, parce qu'il y a tout le reste. Et je suis persuadé que le cinéma comme salle, comme une expérience rituelle, comme rituel anthropologique, il va perdurer. D'accord, merci. C'est des sensations qu'on n'aura pas là. Oui. Ouais, je pense qu'on va clôturer sur ça. Je pense que ça a été une bonne conclusion. Vous êtes d'accord ? Oui. Public, vous êtes d'accord ? Oui. Oula, on se réveille, hein ? Ils sont là, c'est bien. Bon, allez, maintenant on va passer à la surprise du chef. On passe au suggest. Allez, jingle. Alors, cette semaine, comme il y a 2 semaines, nous avons encore la chance d'accueillir un super invité. C'est une actrice accomplie, une chanteuse qui a un talent fou. Mesdemoiselles, mesdames et surtout messieurs, faites un accueil triomphal à Nawal Benkraïm. Alors, Nawal, est-ce que tu nous entends ? Allô, allô, Nawal, tu es là ? Donc, Nawal Benkraïm, merci d'avoir accepté l'invitation du Rewind d'illuminer notre plateau de ce soir, de ton sourire et de ta voix. Merci à vous de l'invitation, je suis très contente d'être avec vous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Nawal, et ça se soigne vite les amis, donc tu es actrice, tu es chanteuse, un talent fou, tu es franco-tunisienne, tu as commencé tout ça à 16 ans, tu as appris la plupart des choses en autodidacte. Tu arrives à Paris en 2004, tu commences ta formation de comédienne. J'aimerais en savoir plus sur cette période très spéciale de ta vie. Alors, Nawal, tu m'entends ? Bientôt, ça va arriver. Oui ? Voilà. La connexion se perd. Dans le décalage, normal. L'arrivée à Paris, c'est vrai que c'était vraiment un fort désir artistique. Il y avait énormément de petites possibilités de scènes ouvertes. Il y avait plein de possibles que je n'avais pas forcément en Tunisie. Et je pense que j'ai fait des choses d'une façon très spontanée, un peu maladroite parfois, mais qui ont en fait marqué le début du parcours. Par exemple, mon premier groupe, je les ai rencontrés par petite annonce. En fait, je ne savais pas trop comment m'y prendre, je ne connaissais pas des musiciens. Et j'ai collé dans Paris mon numéro de téléphone avec écrit « cherche guitariste, cherche violoniste ». Et puis voilà, en fait, mon premier groupe Cyrus, il est né comme ça. Et on répétait dans une cave sans micro et tout. D'ailleurs, à cette époque-là, je me faisais très très mal à la voix parce que je n'avais pas de technique vocale. Je ne savais pas qu'en fait, normalement, il y a des studios de répétition. Donc, il y avait pas mal de maladresse dans le début du parcours, mais énormément d'envie. Et je pense que c'est le plus important. Et d'ailleurs, assez vite, dès qu'on a eu fait quelques petites répètes, qu'on avait des débuts de chansons, j'ai commencé à démarcher les bars pour proposer qu'on fasse un petit concert. Je crois que j'étais vraiment habitée par l'idée de jouer, d'essayer de découvrir le monde artistique parisien, quoi. Et en fait, à partir de là, tu t'es fait connaître en fait, pour ton engagement, surtout de tes textes. Par exemple, comme dans la Révolution en 2011 en Tunisie, où tu as été extrêmement engagée avec tes chansons qui traitent aussi d'un drame collectif. Et tu milites aussi pour les égalités hommes-femmes, comme par exemple avec la chanson « Monde d'hommes » qui a été enregistrée et filmée au Zénith de Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. Tu milites également donc pour les égalités hommes-femmes. Et même en Tunisie, même si tu n'habites plus maintenant la Tunisie, tu es très engagé dans la société civile tunisienne avec plein d'actions, donc surtout dans la sensibilisation des Tunisiens au vote, mais aussi en offrant un de tes titres à une campagne de sensibilisation pour les égalités hommes-femmes pour l'association Unie vers elle. Pourquoi est-ce que tu t'engages aussi fort dans toutes ces causes, Nawal ?
ça va arriver. Hein. J'ai le sentiment que quand on est humaniste, on ne peut que être féministe et antiraciste. Parce qu'être humaniste, c'est avoir envie d'un monde juste où tous les humains sont égaux. Et comme on constate que, bah, de fait, les femmes ne sont pas les égales de l'homme, que de fait, dans le racisme, certaines communautés sont discriminées, pour moi, c'est normal d'avoir envie qu'il n'y ait plus ces discriminations et d'avoir envie que tout le monde ait les mêmes chances, on va dire. Et du coup, à ma manière, d'une façon poétique, avec l'arme qui est celle de l'émotion, bah, j'essaye d'amener le regard à voir ces injustices, à essayer avec les mots avec les mots, les émotions et les sons, de faire dialoguer des cultures qui dialoguent mal ou qui sont en conflit, de faire tomber les rapports de force. Enfin bref, d'une façon artistique, j'essaye d'améliorer comme je peux le monde où je trouve qu'il y a encore beaucoup à améliorer. Et par rapport à mon engagement en Tunisie, bah, c'est vrai que c'est assez naturel pour moi de continuer à y retourner, à m'impliquer dans la société civile qui est très active. Même si après, maintenant que ça fait un petit moment que je suis en France, je me suis rendu compte qu'il y a aussi beaucoup à faire en France. C'est-à-dire que ça ne prend pas forcément les mêmes formes. Et en France, comme c'est un pays riche, pays des droits de l'homme, on a des fois l'impression que c'est un pays plus évolué. C'est le cas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, même dans le patriarcat, dans l'égalité des salaires. Et donc finalement, même en France, je me suis mise aussi à prendre la parole en français. Et même, par exemple, sur le racisme, ça c'est plutôt des questions que j'ai découvertes en France. La gestion des communautés, même du monde arabe, l'islamophobie, c'est des choses que j'avais pas forcément en tête avant d'arriver en France. Et maintenant, c'est des choses sur lesquelles je suis vigilante. Et quand je prends la parole, que ce soit artistiquement ou même dans les médias, bah, je m'autorise à le faire, même pour la société française, quoi. Alors Nawal, il faut que tu saches quelque chose, parce que dans le Rewind, on est taquin. On est très très taquin. Et en fait, nous avons ici parmi nos chroniqueurs Rajda, qu'on peut qualifier ou surnommer par la sulfateuse de mots, tellement elle a une diction parfaite. Donc moi, ce que je vais vous proposer, Nawal, toi et Rajda, c'est un concours sur ton slam Monde d'Homme. Donc j'espère sans erreur. Nawal, bon, si tu gagnes, on va t'envoyer un petit cadeau. Bon, excuse-nous, ça sera un petit paquet de pépitos. C'est pas mal, là, parce que c'est tout ce que nous permet notre budget. Pas deux, mais un seul petit paquet de pépitos. Est-ce que c'est OK pour toi, Nawal? Je pense que oui. Voilà, tu souris, oui, donc certainement oui. D'accord. Voilà. Rajda, est-ce que tu es prête? Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Allez, faites du bruit pour le banquet. Rajda, on s'échauffe. Algeria versus Tunisia. Alors tu es prête? Alors, à mon top. 3, 2, 1, je te chronomètre. Vas-y. Cheval de 3 ou chevalier blanc, cheval de trop, le dominant diminué, fait le dos rond, domino ou dégringole, le déglingo, croit qu'on rigole, la gote de trop, magot s'y colle, l'ego remonté, comme les légos, on veut y être égaux, les égotos et les gogos ont donné le go, chez les bien-nés, chez les malmenés, les malmenés, les bridés, chez les ridés, les débridés, les rodés, les égarés, on s'égarait, chez les ministres, on s'est marré, chez les juristes engagés ou garagistes, appelle-nous femmes ou féministes, danseuses dans l'âme, ou bien dentistes, on va danser jusqu'à jamais par des filles, bon, hein. Pas par défaut, que pour les fous, pas pour deux. Faux. Bravo. Merci. Bravo. Nawal, t'inquiète pas, hein. elle a fait, 38 secondes. Bravo. Merci. Voilà, 38 secondes. Bravo. Ouais, vas-y Nawal, à toi. T'es prête? Go. Allez, vas-y. Cheval de trois, chevalier. Cheval de trois, chevalier blanc. Cheval... Pardon. Tu vas te faire disqualifier, Nawal. Attention. Premier mauvais point. C'est qui? Allez, les jouets? Je reprends. Cheval de trois, chevalier blanc, cheval de trop, le dominant diminué, fait le doron, au domino ça dégringole, le déglingo croit qu'on régale, la goutte de trop, magot s'y colle, les gos remontés comme au Lego. On veut être égaux, les zigotos et les gogos ont donné le go, chez les derniers, chez les malmenés, les malmenés ou les bridés, chez les rides et les débridés, chez les rodés, les égarés. On s'est marré chez les ministres, on s'est garé chez les juristes, engagés ou garagistes, appelle-nous femmes ou féministes. Danseuses dans l'âme ou bien dentistes, on va danser jusqu'à jamais. Par des filles, pas par défaut, que pour les fous, pas pour de faux. K.O. Oups, K.O. J'ai essayé, c'est... Attends. Oh là là. En plus. J'adore. Forfait, s'il te plaît, forfait. J'ai pas envie d'envoyer deux paquets de pépito. Allez, si ce budget ne le permet pas. D'accord, ok. Je vais le payer moi-même, y'a pas de soucis. Nawal, t'as gagné. Tes pépitos sont en route. Je vois que ça te fait plaisir. Oui. Voilà. Voilà, Rajda, t'es complètement hors jeu. Bon, bravo à toutes les deux. C'est Rajda qui t'es pas, j'espère. Hein. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Franchement, bravo à toutes les deux. Merci. C'est génial. Cette fois-ci, Nawal, en fait, elle nous revient avec un nouvel album qui est Délivrance, où cette fois-ci, elle nous revient en tant que chanteuse, mais aussi productrice. Ah, hein. C'est un album plein de chaleur, plein de lumière. C'est un... C'est Nawal, quoi.
Ça fait du bien en ce moment, je pense. Ouais, ça fait énormément de bien en ce moment. Ouais. Tu y chantes avec tendresse et beaucoup de romantisme. Cet album, c'était une étape importante. Ouais. En effet, pour la première fois, j'étais productrice, c'est-à-dire que j'avais vraiment les rênes des décisions, des collaborateurs. Et je ne me suis pas bridée parce que, en fait, dans le monde de la musique, j'ai parfois entendu qu'il fallait faire des choix, mais attends, mais c'est trop pop, et en même temps, c'est trop intello, c'est trop harbi, en même temps, c'est trop chanson française. Et en fait, je me suis dit à un moment, en fait, moi, je suis tout ça. J'aime la chanson parce que j'aime les mots, j'aime ce format-là avec des mélodies qui attrapent les gens. Et en même temps, ça ne m'empêche pas d'aimer les choses un peu plus underground, un peu plus expérimentales. Et du coup, je me suis autorisée toutes ces couches-là. Donc déjà, dans les influences, Délivrance, il est délivré de toutes mes influences. Mmh. Et puis dans les thématiques, le fait que ce soit un long format, on va dire, il y a de la place, il respire, j'ai le temps d'avoir des chansons un peu plus engagées, comme Révolution des figuiers, qui revisite donc, la thématique de la révolution tunisienne, mais aussi de tous les mouvements qu'il y a eu, d'ailleurs, même en Algérie. Enfin, en tout cas, c'est un hommage à ces mouvements populaires. D'habitude, qui le point de départ, c'est sur une maghrébine sans routine, donc ça parle un peu d'immigration. Et puis, on a d'autres plus introspectives, comme 9 mois, qui parle de mon expérience de la maternité, comme L'absent ou Ania, qui sont des chansons sur la solitude, sur la quête d'un absolu, d'amour. Et donc, je pense que c'est un album qui est riche de vraiment beaucoup de choses qui me touchent, quoi. Ben écoutez, ce nouvel album Délivrance est disponible. Courez tous vous le procurer, que ce soit chez vos disquaires ou en streaming. Légal, s'il vous plaît. On va essayer. Pourquoi tu me regardes en disant légal? Écoute, moi j'ai une dernière question à Nawal. Tu viens quand venir? Vraiment, avec le Covid, on peut un peu moins venir en Algérie, mais j'ai eu l'occasion plusieurs fois de venir et moi ça me nourrit toujours beaucoup, que ce soit parce que j'aime ce pays ou même musicalement en fait. Et d'ailleurs, ça se sent peut-être un peu dans l'album où à un moment il y a un petit clin d'œil à une chanson tunisienne dans Les Vertiges de Hamouda. Mais il y a aussi un petit clin d'œil, il y a une chanson algérienne, El Ebes, qui conclut mon album. Et c'est un refrain d'une chanson de Rai que j'adore, quoi. Alors Nawal, nous arrivons au terme de cette interview et de notre émission. Et comme tu nous as monopolisé notre section qui est le suggest, donc tu vas la faire. Donc, Nawal, une question. Qu'as-tu à proposer à nos téléspectateurs cette semaine à regarder? Donc, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Ce sera peut-être un peu plus simple. Non, c'est magnifique. Oui. C'est les aléas du direct. Ah oui. Clairement. Voilà, un vrai direct. Ah bah oui, j'ai un truc génial à vous conseiller. C'est une série qui s'appelle Rami. Et c'est une série, en fait, qui se passe aux États-Unis, dans le New Jersey. Et c'est une famille égyptienne qu'on suit, à travers surtout un personnage qui a entre 25 et 30 ans, et qui est avec sa double culture, puisqu'il grandit dans une famille où il parle égyptien, où ils sont musulmans, et avec bon, certains qui pratiquent, d'autres pas, sa sœur qui n'est pas du tout dans le djinn, son vieil oncle qui est un peu réac, sa mère avec ses contradictions, bref, une famille arabe, quoi, avec toutes ses facettes. Et lui, il se questionne par rapport à sa foi, et en même temps, il vit aux États-Unis. Il y a certains trucs qui le poussent à être en contradiction des fois avec sa foi. Et en fait, c'est fait avec beaucoup d'humour, c'est très décalé. Et lui, c'est un peu un loser, c'est un peu un personnage anti-héros. Donc j'adore moi, ce genre de personnage, et il est très, très touchant. Et franchement, c'est une série que je vous recommande vivement, parce que je trouve que c'est assez rare qu'on parle de la double culture, et même du monde arabe, avec autant d'humour et avec quelque chose d'aussi juste dans toutes les facettes qu'on peut avoir, quoi. Ben merci Nawal pour ce suggest. Nawal Ben Kraïm, nous rappelons que ton album vient de sortir, c'est Délivrance. Merci d'avoir été parmi nous. On va se quitter avec une de tes chansons, de tes nouvelles chansons, de ton album, Ainiya. Faisal Sahbi, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mademoiselles, ou bien s'il vous plaît, futures madame et messieurs les chroniqueurs, merci public, merci équipe technique, merci beaucoup. On se quitte sur Ainiya. À dans 2 semaines. Salut. Ciao. Salut.